Bandu, Africa, Bandu, Tuduo, Bandu. <laughs> your mama the man, your ekona man, your D man, your bakuri man, I'm proudly so your anglophone. Brother, nah, I love you all. You're such beautiful, beautiful group of people. We are friends, we are family, we are together. I love you. I know you love me. Mais je sais qu'il y a des haters. Je ne about pas ça. Ce que je are c'est ceux qui me pas haters. Les amis, les frères, <laughs> Roger Mila les a énervés. Mais je ne comprends pas le myopisme dans l'analyse ou la compréhension de l'actualité. Cameroun, Cap-Vert, Roger Mila un. bout de la 7 à l'entrée. Parce que lui, il, il ne fait pas dans la dentelle. Quand il n'est pas content, il n'est pas content, il dit c'est vérité. Il n'était pas content avec sa mère et tout, fils, quand il était en activité. Il avait dit qu'il arrête de m'appeler papa, il m'appelle papa après, il me manque de respect, il manque de respect. Oui, il avait dit. Et quand il avait dit ça, les gens, les, 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 les haters, ceux qui détestent, ceux qui réussissent, euh, euh, c'est bon, Mila a dit. Le même Mila qu'ils ont encensé hier est en train de dire à la CRT que ce que vous faites comme travail, ce n'est pas du tout correct. Le même Mila dit à moi le combinaisiste que c'est incongru qu'un ministre recrute le sélectionneur. Il a l'autorité. Quand Mila parle de football, c'est avec beaucoup d'autorité. Mila parle de football, le ministre l'écoute. Il dit, le ministre l'écoute. Il dit, en 2024, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Ça fait rire même quand on regarde les autres pays, les ministres et autres. Ils rient même. Que c'est quoi cette histoire? Regardez le Mali. Le Mali, c'est la fédération qui a recruté le sélectionneur. Le Nigeria, c'est la fédération qui a recruté le sélectionneur. Mais au Cameroun, pas extraordinaire. On vous dit que le président a fait un discours le 10 février et dans ce discours-là a demandé au ministre de gérer cette affaire. Non, de regarder et non de, et non de gérer personnellement l'affaire. De regarder, ça veut dire quoi? watch donc. Est-ce que les choses se passent bien? organiser les réunions pour essayer de comprendre pourquoi ça ne se passe pas comme il faut et régler cela. Jamais le président Paul Batelmi, bien que donc je ne peux jamais soutenir parce que je pense que sa, son gouvernement et sa politique est chaotique pour le Cameroun, n'a dit le 10 février. Voilà, je suis contre son gouvernement, contre sa façon de gérer le Cameroun, mais les amis, il faut rester digne et dans la vérité. Le 10 février n'a jamais dit au ministre que c'est toi qui gères la faute Il n'a jamais dit au ministre que c'est toi qui vas organiser les matchs de football. Il n'a jamais dit un truc pareil. Et les gens qui ont démontré encore l'insuffisance dans la réflexion du, du bon sens. C'est-à-dire que ce qui concerne le football sont en train de. Ils ne se comprennent pas. Ils disent qu'ils sont tellement intelligents, mais ils prennent un discours, ils remplacent avec la loi. Depuis quand un discours remplace la loi C'est dans un cadre juridique, les amis. Si le discours ne respecte pas ce que dit la loi, le discours-là est illégal. Donc il ne faut pas respecter cela. Le désordre, on dit souvent, est collectif. Mais la sanction est individuelle. C'est un autre. Maintenant, il vient nous dire encore qu'il y a une convention qui lie la fédération à OMINSEP. Ah, bon sang. Ah oui. Depuis quand une convention est plus importante que la loi Dans quel pays Entre deux personnes. Un agreement. You sign an agreement between the federation and the ministry. And you say that the law in place is less important than the agreement. The agreement should respect the law of the land. That's how it works. Dans tous les contrats, les amis, dans toutes les conventions. On indique qu'il faut que ça respecte le cadre juridique d'un pays. Donc, si la convention ne respecte pas le décret de 2014, il faut déchirer cela. Il faut la déchirer tout simplement. Ça veut dire que ça n'a pas lieu d'être. Et ceux qui ont fait signer cette convention savent pourquoi. Certains étaient l'ancien ministre. Donc, ils savent pourquoi ils ont fait signer cela dans leur normalisation. Donc, la normalisation normalisée a fait cela pour protéger les intérêts de certaines personnes. Et aujourd'hui, la FIFA est en train de demander de déchirer cette histoire, de revoir cela. Et je pense que la FIFA, il faut regarder cela, il faut actionner, il faut détruire cette convention. Ça ne devrait pas exister. Il y a une loi par rapport à la gestion du football et la fédération et le gouvernement camerounais. Ça s'appelle le décret de 2014-384. C'est là. Go and read it, you understand better. Donc, Mila a dit des choses lors du match cameroun cap après le match, on l'a tendu le micro, il a dit il faut laisser la fie, il faut faire son travail. Il a dit ça clairement. Je pense que les gars ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas saisi le message de Mila. Et aujourd'hui, avec les égarements de Marc Brice, le sélectionneur de haute instruction, c'est lui-là qui est plus important que tout le monde. avec avait les girofards, qui est reçu à la présidence, que, qui travaille avec le ministre, qui mange avec le ministre, il pense qu'il est ministre, il pense qu'il est président du Cameroun. Mila a corrigé sa copie. Corriger la copie d'André ou Et ce que Mila a dit, les amis, ce n'est pas la vérité. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Mila a fait que dit la vérité, c'est un constat clair. Il dit que tout est caractériel. Et mais c'est son caractère. La FECAFU ne l'appartient pas. Actuellement, on voit quoi? Andrew qui vous dit que c'est le coach, c'est mon patron. S'il dit qu'on part à gauche, on part à gauche. Mila a dit que c'est faux, tu as raconter du n'importe quoi. Et concernant le ministre, il il tête on le ministre aussi. Concernant Marc Brissy, il, il n'est même pas qualifié pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Qui dégage un, un sélectionneur qui confisque les passeports, un sélectionneur qui confie les clés du vestiaire, c'est en oh, haut la loi. Il a la dit. Et comment on fait maintenant C'est-à-dire que les gens normalement constitués, ou, ou du moins qu'on pensait qu'ils étaient normalement constitués, s'élèvent aujourd'hui, les amis, pour vous dire que Mila c'est un mendiant. Ils disent que Mila c'est un mendiant parce que Mila n'est pas d'accord avec eux. Parce que Mila demande de respecter les textes. Ils écrivent jusqu'à quelqu'un prend son téléphone pour écrire ou son ordinateur pour écrire que Mila c'est un mendiant. Un mendiant c'est celui qui n'est pas d'accord avec la narrative des prévaricateurs. C'est généralement comme ça. Vous N'êtes pas d'accord avec eux, qu'est-ce qu'ils font au lieu de proposer d'autres arguments? Parce que j'aurais aimé que des gens qui disent aujourd'hui que Mila c'est un mangant disent que non, Ando, on en a, a raison. Car le, le coach c'est le patron, le coach a fait ceci, mais ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils ne peuvent pas soutenir ça avec les textes. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est des injures. arguments contre injus. Mila propose des arguments clairs et nets. Il n'y a pas la signature de la FECAFO sur le contrat de Magnus. Il n'y a pas la signature de la CAF, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, il n'est pas capable. Il n'a pas ceci. Il a confisqué les clés. Il a confisqué les passeports. Ce sont les faits. Au lieu de parler de ces faits, on vient vous dire quoi? Que Roger Mila, c'est un mangeant. Oui, Mila, c'est un mangeant. Mais mangeant de la vérité. Mangeant du bon sens. Mangeant du respect des institutions. Mangeant du respect des règles. C'est ça. Mila, c'est un mangeant de ces choses-là. Pas autre chose. Parce que ceux qui disent que Mila est un mangeant, ce sont des affamés généralement. Affamés dans le vrai sens du terme. Et même au figuré. Mais c'est des gens là qui s'amusent en disant que Mila c'est un mangeant. Parce que Mila n'est pas avec eux. La naïveté politique, la naïveté analytique. Quand la haine guide les gens pour parler de football, ça donne cela. Mila c'est un mangeant. Mila c'est un mangeant. Souvent je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ça ne peut pas me pousser à dire qu'il est un mangeant. Proposer les arguments. Proposer des contre-arguments pour dire il n'a pas raison ici, il n'a pas raison ici. Pas... C'est de ça qu'il est question. You Know what I'm talking about? so I will some La, Come, Piang Piang. We'll be telling you the truth in your eyes, looking at you in the eyes like this and tell you the truth. Whatever you want, it's your business. You know, they'll go they'll insult or say things. I don't care. I have a thick skin. I know who I am. I know what I'm doing. I know where I'm going to. So, apart from that, we want to come. What you do want to talk again? i now grab me for them, massa. Your Bamenda Man, your Econa man, your G man, your Bakun man, and prrr this so your Anglo friend brother. Thank you. Bye-bye.